Là, c'était ça. Il me semble que là, c'était symbole. C'est ça. Le 5, c'est ce symbole-là. Est-ce que j'ai vu un 8 quelque part? Là. Ça, c'est le roi. Donc, le roi, c'est ce symbole. Ça, j'ai un doute. Ce symbole ou ce symbole? Celui avec 4... Ouais, excusez-moi. Donc c'est celui-là. Ok. Le 8, je ne sais pas. Je vais le mettre... Ouais, je vais le mettre comme ça. Mais en tout cas, ces parties-là, c'est sûr, c'est comme ça. Ok. Ah, je connais ça. J'arrive pas à voir ça. Pourquoi s'emmerder? Ok, donc ça c'est pour quitter. Ok, il y a un 4. Et ça, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Rustilek Théâtre. Donc le théâtre de Rustilek présente le 7 août, le samedi 7 août, l'incroyable Monsieur Rabbit, magicien. Citoyen Bucket to the Box Office. Ok, d'accord. Ah, et donc c'est ce symbole-là. On a ça. Et on a le symbole Monsieur Rabbit. Et c'est un 4. C'est les 4. À mon avis, c'est les 4 là qu'il faut regarder. Et là, il y a le 8. Et là, il y a le 8. C'est ce symbole-là. Parce qu'il y a les 8 carreaux. Donc, allez, je vais penser à une tête de hibou pour ce truc-là, un petit peu. Et l'espèce de nénuphar. On voit plus ça comme ça. Pas trop comment appeler ça, mais je vais essayer de retenir cette forme là. Louis Bou c'est 8 et l'autre c'est 4. Donc hop. Et hop. Ok. Et il manque une carte. Je suis en train de me dire une chose. Non, je peux pas récupérer le couteau. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va aller voir Monsieur Rabbit alors. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres trucs? Ok. Ah! Ok. Violet, rouge, blanc, orange. Soyez attentifs.
Ok, bon. Ça, c'est une évidence. Ok. Et donc la cinquième clé. Enfin, la troisième clé, j'en doute pas, c'est grâce au 5. Hey. De... Ok. Ok. Donc ça c'est fait. Alors ok, donc ça. Il y a un truc là. Ça a changé ça. Ça je peux plus rien en faire. Il reste ça là. Je sais pas à quoi ça correspond ça. Il y a ça et il y a cette boîte là. Je peux rien en faire. Je ne peux rien en faire. Il y a cette fenêtre, et je peux rien en faire non plus. Et donc ça c'est... Ok. Ah. D'accord. C'est évident. Donc celui-là et celui-là. Tour de magie qui tourne mal. Ok. Je le mets bien évidemment avant d'oublier, hein, simplement.
Du coup, je suppose que nos invités vont encore raconter une chose. Et ouais, ça commence à se dépeupler, hein. Ça commence à se dépeupler. Il manque les haricots blancs. Second repas. Presque parfait. Je vois pas trop le but de tout ça. Est-ce que ça nous apprend sur... C'est très étrange, hein, comme c'est vraiment une histoire, enfin voilà, de vraiment hors de ce qu'on a vu avec l'affaire 23, avec le meurtre de Laura Vanderboom. Allez, allez voir dans les chambres si les invités ont besoin de quelque chose. Ok, d'accord. Bah, j'ai la recette peut-être déjà là-haut, non? Ah oui, ok. D'accord. Donc là, idéalement, il faudrait les travers de sanglier. Recette spéciale du spécial Rusty Lake. Ok. Ok. Du coup... Oh. D'accord, il y a un... What? Ok, des pommes de terre. Donc, ce qu'il nous faut, c'est les ailes de pigeon. Ben, on va aller voir donc Madame Faisan, hein. Non, on a Madame Faisan et Madame Pigeon. Et donc, Madame Pigeon, elle doit être au second étage. Donc, room 4. Monsieur Rabbit nous a quittés. Donc ok. On peut rejouer les pièces quand même. Ok. Donc logiquement, elle est à droite. Madame Pigeon. Attendez. Je veux juste être sûr. Ah, je peux pas regarder la recette. Mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Ça va finir en Claude François cette histoire. Et encore une fois, la musique beaucoup trop forte.
Ok, il y a un code. Et la musique beaucoup trop forte, nom de Dieu! Oh, le trombinoscope. Ah. Ah, attendez. Non, mais c'est ça, c'est bon, c'est bien. Je peux pas le modifier. Ouh! Une énigme. Ouais, mais... Il manquerait une opération. Pour savoir, parce que là, triangle plus carré égale 4, ça veut dire que soit les deux valent 2, soit il y en a un qui vaut 1, l'autre qui vaut 3. Et l'autre, c'est... Et là, bah pareil, il y a juste une différence de 2 entre les deux, mais ça peut être n'importe quel chiffre. Ben, admettons qu'il y en ait 1 et 3. Admettons. 1 et 3. Mais si, c'est logique. Admettons que ce soit 1 et 3. 2 et 4. Non. Pardon. 1, 3, 4, 2. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4. Ça ferait triangle, spirale, carré et S. Oh putain, la deuxième énigme, elle est là. Faut que je prenne une feuille de papier. Et faut que je retienne ce symbole. Faut que je note. Attendez. Tiens. Serait plutôt là. Il y a une équation à résoudre, d'accord. Du maïs. Ok. Bon, et la musique est cool, mais elle est beaucoup trop forte. Ça, c'est évident. Du coup, j'avais une autre serrure quelque part. Bon, ça c'est l'équation à retenir, enfin à regarder. Je disais dans ma théorie,
que le triangle valait 1 et le carré 3. Donc ça se confirmerait. Parce que 3 plus 1, ça fait bien 5. Donc ça vaudrait 3. Et donc si ça vaut 3, ça vaudrait 6. Donc triangle 1, carré 3, spirale 6. Et si la spirale vaut 6, alors ça vaut 8. La spirale 6 et ça 8. Donc 1, 3, 6, 8. Pas besoin de faire de calcul pour ça. Donc j'ai dit 1, 3, ça c'est 6 et ça c'est 8. Nickel. Oh, pouf bête. Comment c'est horrible? Et le pire, c'est qu'il meurt même pas le machin. Ah, purée, je l'avais pas sélectionné. Mais bordel. Donc ça c'est ok. Donc ça c'est bon, c'était pour avoir le truc. Et là maintenant j'ai le trombinoscope qui est... pas trombinoscope, le strombinoscope. Ok, du coup c'est persistant. Et là maintenant, ok. Ok, du coup maintenant faut que je trouve ça, comment ça fonctionne. Donc il me manque un élément pour ce truc-là. En toute logique, l'aimant devrait tourner. En tournant, ça balance de l'électricité là-dedans. Pour faire tourner l'électricité, il me faut ça. Il faut que je fasse tourner ça. Du coup, il y a peut-être une manivelle quelque part ou quelque chose dans le genre. Et j'ai ce truc-là aussi. Ce truc-là, je ne sais pas à quoi ça correspond. On va dire 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Je ne sais pas à quoi ça correspond, ça. Il y a ça aussi sur lequel j'ai pas cliqué. Non, ça fait rien. D'accord, ok. L'orage là. Ah, j'ai de la pitié pour ce pauvre bestiole. Non, de toute façon, ça persiste pas. Ah! D'accord, ok. D'accord, faut le bloquer. Perdu. Faut réussir à le bloquer.
T'es coincé. Tu pourras plus t'échapper à partir de maintenant. Je vais tout remplir au cas où, hein. Bon, il n'y avait pas forcément nécessité, il fallait juste qu'il ne puisse plus bouger. Donc l'insecte. L'insecte. Insecte piqué. Est-ce que... Ok. Bêtement. Ça, ok. Il manque un élément. Je ne sais pas quoi, mais il me manque un élément. Putain! Je viens de comprendre. Ok. C'est pourtant ça le code. Je vais le reprendre. Je vais le... Hop. Petit coup de téléphone, hein, bien évidemment. Le meilleur ami. Hop. Allez, photo. Parfait. C'est le seul truc qui a quatre crans et qui pourrait permettre de faire ce code-là. C'est la radio. Du coup, 2, 3, ah, fallait peut-être que je le laisse complètement. Attendez. Je vais annuler. Alors. Non, c'est une musique classique, ça. Enfin, c'est... Ok. 3. Ok. Je reviens à 3. Je reviens à 4. Et là, je reviens jusqu'au 1. Ok. C'était bien ça. C'était bien ça.
Je sais pas si je devais prendre autant de temps, hein, mais vas-y, Coco. Maintiens. Venge-toi. Bien, aile de pigeon. Je sais pas où sont les murs. À chaque fois, le troisième ingrédient, je le trouve pas. Je sais pas où. Oui, peut-être. C'était le plumeau, hein, il me semble. Bon. On va rapidement faire le repas. Juste rapidement. Ok. Donc, il nous reste plus que ben ces deux-là. Vin blanc faisant. Voilà, on sait déjà qui sera la prochaine victime. Je vous prie pour la séance photo. À mon avis, c'est toi qui n'es pas prête. J'ai très faim. Ok. Non. Bien, troisième repas. Presque parfait. La nuit tombe. On n'aura pas le temps de la faire entièrement avant que je coupe l'enregistrement, mais on sait que ce sera Madame Faisan. Va quand même checker autour. Groom, premier étage, s'il vous plaît. Madame Faisan, c'est au bout du couloir. Hein. C'est ça. Ok, ça se faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de choses. Lady in Blue, Monsieur Crow, Monsieur Horn. Ok, il y a un code. Kit pour la photographie. Ça s'est fermé. Oh, oh, on aime bien ce genre de choses. Ah, le teint. On a le teint, tiens, disons. Bon, on a une heure à préciser ici. Ici, on a des choses. Petite boîte à musique. Oh! On peut faire notre propre musique? Sympa ça, c'est vraiment sympa.
Ah, ok. Donc, c'est bon. Donc, tac, tac, tac. Représente Memory of the Lake. Faisant. Featuring Madame Faisant à la Madame Bleue. Hall. Ok. Lady in Blue, The Crow Hall. C'est un guichet. Je crois avoir compris. Ok, d'accord. Je pense avoir compris le truc. Plus ou moins. Mais il me manque. Ah. Plaque de verre sèche. Ok. Ok. Il manque quelque chose. Oh. Ok. Ah, ici on n'a pas vu encore. Ok. Ah. Ok. Donc on a le pinceau. Ok. On a ça. C'est pas pour ça. Ici, on a un code. On a des cadres. Les cadres, faut s'en méfier, hein. Parfois, il y a des trucs qui sont cachés dans les coins des cadres. Et ici, on a un code. Bon, ok. Donc, première chose qu'on va faire, c'est peindre. Donc. Non, on peut pas peindre. Il manque quoi? Après, j'ai la loupe là. La loupe, j'ai pas encore, je me suis pas encore servi. Allez-y, prenez la photo. Ben, j'aimerais bien, mais il manquerait deux, trois trucs. Ah, attendez, déjà il y a ça. Évidemment. La plaque, ok, plaque mouillée. Du coup. Non, pas là. Là, je peux mettre la plaque en verre. Ok. Je ne suis pas encore prête. Bon. Donc pour le moment, on est à la plaque enduit de l'appareil photo. Ah, mais je suis con, moi. Voilà. Il nous fallait le sang pour pouvoir peindre. Et donc le premier truc qu'on doit faire, c'est cette croix là. Ensuite, on a ce symbole-là. Qu'il n'accepte pas, visiblement. Okay. Et Monsieur Hall, le truc ça commence coin comme ça. Ok. Donc
C'est un W comme ça. Il m'a pas compté, je me suis foiré. Non. Du coup, faut peut-être faire ça. Non. Pourquoi? Pourquoi? Alors que la croix, ça marchait. Ok, d'accord. C'est ça le truc. Ok. Croix cible S. Alors on va essayer cible d'abord. Mince. Mince! Cible. Oui, c'était parapluie ensuite. Et le S. Ok. Masque de corbeau. Ça, c'est pour Monsieur Crow. Et Monsieur Crow, on a dit que la peinture c'était. Deux barres comme ça. Ah d'accord, ok. Va falloir à mon avis que je... Ah faut que je... Non, attendez. Ok. Est-ce que... Ouais, ok, d'accord. Elle est mouillée, donc il n'y a pas de souci. Monsieur Cro. Ok. On va essayer de le mettre ici. Ok. Ok. Et ben pour le troisième costume, malheureusement, on verra ça. On verra ça la prochaine fois. Parce que là, je dois y aller. Sur ce, je vous dis à plus tard. Et on se retrouve. Alors, je tiens à m'excuser si vous entendez du bruit derrière moi, mais il y a un fort vent dehors, même un début de tempête. Donc, si vous entendez du vent fortement derrière moi, ben, c'est la météo. Voilà. Donc, nous nous retrouvons pour moi le lendemain, du coup. Et on avait débloqué le corbeau et on avait 1 heure ici. On avait 3h30. Du coup, on va aller tenter ça. 3h. Et c'est bien ça.
Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Un rouleau à pâtisserie. Le dernier, c'est Monsieur Hall. Hein. On est d'accord. Je peux peut-être déjà peindre ce qu'il y a derrière. Hop. Ok. Un rouleau à tapis. Un rouleau à pâtisserie. Non, ça n'intéresse pas madame. Un rouleau à pâtisserie. Qu'est-ce que je peux en faire? J'ai pas de. Ah, mais si! C'est vrai que ce perso. C'est des. Eh, ok, d'accord. Petite lampe. Ok. Oui, ici c'était débloqué. Il nous manquait une clé hein, pour ici. On avait ça aussi. On avait une musique. On avait également une loupe que dont je crois je ne me suis jamais servi. Je ne sais pas trop à quoi elle peut servir. Et cette petite lampe. D'accord. Et elle ne donne plus de coups. Quand lui, il continue à donner des coups. Bon. Est-ce que... Ah! Ah, d'accord. Et ben voilà la clé que je cherchais. Du coup, ça va ouvrir ça. Eh oui. Et on a donc, voilà, le masque de hibou pour prendre la dernière photo. Parfait. Du coup, appareil photo. Oui, la plaque en verre. Voilà. Ok, parfait. Du coup, voici. Et... Ah, parfait. Ok, très bien. Parfait, parfait. Je vais juste prendre ça en photo, du coup. Allez, l'appareil photo. Voilà. Parfait. Alors. Du coup. On va aller à l'appareil à musique. Alors, ici, en fait, c'est comme... Ah oui, faut cliquer dessus. Alors, c'est comme ceci. Ici. Ensuite, on revient comme ça. Et comme ça. Eh ben, dis donc, il manquait pas grand-chose, hein. Merde. Oh, c'est pas vrai, du coup, ça n'a pas validé. Ah si, ça a validé mon... C'est ça. Ah mince. Ok. Excusez-moi, il y a une erreur. Il y a une erreur.
Ici, c'est ça. Je viens de me rendre compte en regardant la photo. Ici, c'est pas une diagonale, c'est y a ça. C'est comme un mouvement de cavalier. Hop, mercredi. C'est bon, c'est validé. Ok. Sauf que je me souviens pas d'une autre serrure. Mais si, bien sûr. Je suis bête. Ça. Attendez. Hop. Attendez. Ça, on n'en aura plus besoin. Ça, on n'en aura plus besoin. Et il y aura plus de. Il y aura peut-être encore une photo à prendre. Peut-être. En tout cas, ça, c'est bon. La peinture, peut-être. Regardez la loupe et les allumettes au cas où. Hop. Oh. Bon, ben voilà, hein. Et... Ah, d'accord, ok. Allez-y, prenez la photo. Ouais. Et pan. Et pan le faisant. Alors, attendez, juste avant. Alors attendez, par contre, je me souviens plus. Il faut que je regarde juste un truc avant de partir. Merde, 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 merde. C'est le symbole de cette salle. Je ne me souviens plus. C'était ça. C'était là. Ok, c'était la barque. Ok, c'est le seul truc qui me manque, qui me fallait parce que je m'en souvenais plus. Avant de quitter. Ok, continue. Perfection culinaire. Bon. Bon, bah, il reste plus qu'un. Hein. Il s'inquiète pas. Hein. Il est serein.